Christelle. Oui. Bonne ou mauvaise nouvelle, j'en sais rien, mais vous répondez aux questions de nos téléspectateurs. En tout cas, on commence avec Josette, Josette de Ponce. J'ai eu le Covid, nous dit Josette, la semaine dernière sans être vraiment malade. Est-ce que ça limite le risque de Covid long? C'est pas fini le Covid? Ah ben non, c'est pas fini. On est encore à des niveaux élevés, même si en 2024 ça diminue un peu, mais on reste à des niveaux élevés. Alors, on rappelle que le Covid long apparaît généralement dans les 3 mois qui suivent l'infection, qu'il se caractérise par la persistance de 1 ou 2 symptômes pendant plusieurs mois, minimum 2 mois, et que ça peut vraiment avoir un impact sur la vie quotidienne. On estime que 2 millions de personnes dans notre pays ont été concernées ou sont concernées par un Covid long. Et pour vous rassurer, Josette, eh bien, il y a plusieurs équipes scientifiques qui ont travaillé sur le sujet avec un peu de recul cette fois-ci, parce qu'effectivement, on peut avoir un peu de recul. Et les conclusions des différents travaux vont dans le même sens. Elles sont très claires. Les patients qui ont développé un Covid long, pour la presque totalité d'entre eux, ont eu une forme aiguë sévère, ce qui veut dire que les patients qui n'ont jamais été alités pendant l'infection, eh bien, ont un risque quasi nul de développer un Covid long. Voilà, ce qui est rassurant. Bon, ça évitera de se faire des idées et de se faire peur tout seul. C'est ça. Autre question, celle de Stéphanie. C'est une mamie qui nous écrit. On la salue. Mon petit-fils de 5 ans est en surpoids. Faut-il agir ou attendre plus tard pour mettre des mesures en place? Alors, question très intéressante et d'actualité, hein, quand on sait que le surpoids et l'obésité infantile restent à des niveaux inquiétants. En 2017, 20% des enfants de 6 à 11 ans étaient en surpoids, dont plus de 5% en situation d'obésité. C'est beaucoup. Et il faut retenir ce chiffre, un enfant sur deux en surcharge pondérale ou obèse à 6 ans, le reste en troisième. Donc non, Stéphanie, il ne faut pas attendre. Il faut réagir très rapidement. Il faut intervenir dès le plus jeune âge. Ça a été montré par de nombreux travaux scientifiques. Dès 4 ans, on doit mettre des stratégies en place parce que la perte de poids peut être durable, peut être efficace, peut être plus efficace que lorsque l'on commence plus tardivement. Autre enseignement des études sur le sujet, les résultats sont nettement plus intéressants lorsque les parents se font accompagner dans cette stratégie de perte de poids. Il faut se faire accompagner parce que c'est compliqué, parce qu'on agit sur différents plans. Donc c'est quoi, médecin, nutritionniste ? Alors voilà, le médecin, le pédiatre, pourquoi ? Parce que les autorités de santé en France ont vraiment réagi face à ce problème et il y a des stratégies qui ont été mises en place avec un dépistage précoce, avec une prise en charge personnalisée. Donc vous en parlez à votre médecin, vous en parlez à votre pédiatre, ce qui vous permet eh bien, de rentrer dans la boucle et là on vous aide. Et quand on vous aide, parents, eh bien ça marche. Christelle, je crois que vous vouliez terminer par une nouvelle info qui devrait nous aider à prendre des résolutions efficaces, durables pour cette année qui commence. Par exemple, ne pas manger trop de galettes des rois. C'est pas notre genre. Je me sens visée. J'ai toujours à moi droite. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions 2024? Christelle, c'est toujours de ma faute. Qui a pris des bonnes résolutions 2024 en disant je vais faire du step? Moi, je cours pour éliminer la galette. Vous courez pour... Résolution 2024 s'agissant du sport? Oui, sport, oui, évidemment. Vous savez tous qu'on prend de bonnes résolutions en 2024. En janvier, on s'inscrit dans les salles de sport. Et je crois que c'est 50% des abonnements qui ne sont pas honorés au bout de 3 semaines ou un mois. Donc, la bonne nouvelle que je voulais vous donner, puisqu'on reste dans les bonnes nouvelles pour commencer 2024, c'est une étude qui a été publiée dans la revue européenne, la revue scientifique européenne pour le cœur, qui montre que le pire pour nous, pour notre cœur et la tuyauterie qui va avec, c'est rester assis. Rester assis, c'est pire que dormir. Je me lève. Il ne faut pas rester assis, c'est pire que dormir, en fait. C'est pire que dormir. Voilà, c'est ce que... Alors, c'est provocateur. En fait, ces scientifiques nous montrent que il suffirait d'augmenter notre rythme cardiaque plusieurs fois dans la journée pendant 2 ou 3 minutes. Deux ou trois minutes, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on se sentirait essoufflé pendant 2 ou 3 minutes plusieurs fois par jour. Donc on ne prend pas l'escalator. Voilà. On prend pendant pas deux ou trois minutes, c'est pas grand-chose. Vous faites ça tous les jours, 2 ou 3 minutes, 3 fois par jour, ça permettrait de sauver notre cœur et les artères qui vont avec. Ça serait vraiment un petit effort à faire au quotidien. C'est, on bouge les lignes, mais très peu, parce qu'on s'est aperçu que pour faire des modifications durables, il faut que ce soit tout petit. Ça suffit vraiment 2-3 minutes par jour. Ça suffit vraiment à avoir un impact favorable sur votre cœur et la tuyauterie. Mais si on peut aller plus loin... Pardon. Si on peut aller plus loin, alors, c'est, si on peut aller très c'est la régularité ou mais, le temps en fait, l'idée, c'est que si vous faites des petits changements 2 à 3 minutes, vous allez les tenir.
Alors que si vous êtes sédentaire, je parle des plus s'asseoir. Moi, je me demande si on va aller en courant. Mais qui va monter les escaliers avec moi? Vous courez autour de la galette. Mais déjà, je me sens mieux depuis deux minutes. Moi. Non, mais c'est vraiment un faillot, je suis ici. C'est perdu d'avance.